Bonsoir à tous, bienvenue sur le groupe auteurs, blogueurs et lecteurs Même Passion pour ce nouveau live en direct avec donc un invité exceptionnel puisqu'il s'agit donc de Pierre-Louis Besombe. Pierre-Louis, bonsoir. Bonsoir Florian, bonsoir à tous. Voilà, donc Pierre-Louis, merci à vous d'avoir accepté donc l'invitation du groupe à venir parler donc de votre univers livresque qui est très varié, on va avoir l'occasion de le voir. Vous connaissez le principe, hein, vous l'avez vu, c'est que les personnes vont venir se connecter, ils sont plutôt nombreux là pour l'instant, vont venir poser des questions et le but du jeu, bah, c'est d'y répondre. Et puis bah, voilà, en sachant que vous avez un univers livresque à nous présenter. Mais avant toute chose, en attendant que les personnes se connectent, est-ce que vous pouvez donc vous présenter, nous dire qui est Pierre-Louis Besombe? Oui, Florian, avant tout, merci de votre invitation, parce que c'est vrai qu'en ce moment, les salons physiques sont un peu arrêtés, donc c'est momentané, et puis votre émission permet de se présenter et permet aussi de discuter avec les lecteurs, ce qui est quand même très important pour un auteur. Donc voilà, j'étais auparavant auteur de fantasy, avec la trilogie fantasy, je ne sais pas si vous pouvez montrer à l'écran la trilogie Spiris. Et après, je suis passé sur les romans historiques, notamment en traitant des Templiers, puis le dernier livre qui est sur l'Égypte. Donc sur Spiris, en fait, ça se passe dans des temps assez reculés. Et en fait, c'est un orphelin qui est recueilli par un clan de bohémiens. Et puis un soir d'orage, il y a un oracle qui arrive pour le chasser du clan. Et personne ne s'interpose, il va devenir un petit peu vagabond, poussé comme une mauvaise herbe, jusqu'à ce que sur son chemin, en fait, il rencontre des mages et des magiciens qui le prennent en charge, en fait, l'initient à certains mystères. Donc il va devenir petit à petit faiseur de vent, faiseur de foudre, faiseur de pluie. Mais surtout, le plus grand des pouvoirs, c'est vraiment devenir lui-même et non pas ce que les autres voudraient qu'il soit. Donc c'est aussi une trilogie qui est basée sur une quête de sens, une quête initiatique, hein, et puis bon, on est dans l'imaginaire, donc imaginaire c'est aussi, dans l'imaginaire il y a le mot image, image c'est l'anagramme de magie, donc imaginez ce que vous apprenez si vous apprenez à imaginer, et on est vraiment dans cette construction intérieure par tout un, je dirais, bestiaire fantasmagorique avec des dragons, des batailles, des histoires d'amour. Donc tout ça, ça a duré quand même cette trilogie une dizaine d'années. Et puis, à un moment, il a fallu en quelque sorte quitter cette trilogie. Si on fait une trilogie, c'est que le premier volume a très bien marché, le deuxième également, le troisième aussi. Donc toute la trilogie est actuellement épuisée. Donc je vais peut-être travailler sur une nouvelle réédition. À partir de ça, j'ai fait aussi un petit livre qui s'appelle « Les coïncidences fantastiques de Spiris » qui présentait donc la trilogie et puis toutes les coïncidences qui me sont arrivées par les rencontres avec les lecteurs. Donc c'est un petit peu le hasard a-t-il un sens et comment en quelque sorte décrypter ce hasard qui nous arrive. Bon, c'est un petit livre sans prétention, mais par rapport à toutes ces coïncidences qui m'étaient arrivées, j'avais trouvé intéressant d'échafauder un essai là-dessus. Et après, je suis passé au roman historique. Donc, c'était sur les Templiers, le premier, et leur relation qu'ils avaient en Orient. Donc, les Templiers sont nés en Orient, hein, ils ne sont pas nés en Occident. Et ils avaient déjà échafaudé pas mal de liens, notamment avec, je dirais, des communautés soufis, avec les communautés des Ayachines, et comment en fait ils interfaçaient entre eux. Donc c'est un ordre qui Orient, mais qui après a été tué sous ordre de Philippe le Bel. Donc moi ce qui m'intéressait c'était de comprendre aussi cette fin des Templiers, d'où elle provenait. Et donc ils avaient tissé des ponts, mais ils se sont retrouvés un petit peu, comment dire, jalousés, hein, ils étaient très très riches, c'était les banquiers d'Europe, et ils avaient pris modèle sur une secte soufie, puisque c'était quand même une hérésie doctrinale, au nom de Dieu, on pouvait tuer, donc on pouvait lancer l'épée et en même temps prier. Donc voilà, il y a pas mal de choses intéressantes, et puis ils avaient peut-être aussi amalgamé dans leur liturgie des rites islamique ou peut-être musulman, et c'est aussi ce qui n'a pas plu. C'était quand même des croisés qui étaient occidentaux, mais en même temps orientaux. Donc, ils voulaient faire le pont entre l'islam et entre l'Occident.
et ça n'a pas marché, même s'ils ont duré quand même deux siècles de légende, et que n'a-t-on écrit, ça fait couler beaucoup d'encre sur les Templiers. Donc ça, c'était en Orient, ça se passait en Syrie franque, ce roman Le Templier et la Sainte Lance, peut-être que vous le montrez à l'écran. Ça passe. Voilà, merci Florian. Et puis là, le dernier qui vient de sortir, hein, donc fin 2021, c'est sur l'Égypte, et donc en particulier sur la prophétie de Thoth. Donc ça se passe à deux niveaux, un temps actuel, ça commence au musée Granet et au musée de la Vieille Charité, donc du côté d'Aix-Marseille. Et ça va se poursuivre jusqu'au Caire. Et qu'est-ce que représente cette prophétie de Thoth ? Viendra un temps où l'Égypte sera devenue veuve des hommes et des dieux. Et donc la divinité quittera la terre et l'homme ne pourra plus prier ses divinités. C'est effectivement ce qui s'est passé, ce qui s'est produit en Égypte, hein, une civilisation qui a duré pendant 3000 ans, l'Égypte antique, et qui maintenant, depuis bien longtemps, n'est plus que ruine, mais elle nous a quand même laissé des ruines somptueuses. Et c'est ce que je voulais aussi travailler. Et quand on plonge dans l'Égypte, c'est un sujet inépuisable. Et effectivement, j'ai pu faire pas mal de découvertes, puisque je crois qu'on n'a jamais fini de découvrir sur ce sujet. Donc voilà, mais je crois que vous le montrez aussi à l'écran, hein, ce livre. On voit effectivement les visuels passer à l'écran, et justement, il y a pas mal de questions là qui commencent à arriver. Donc tout d'abord, bonsoir à tous ceux qui sont là. Isabelle Chamarian qui dit donc bonsoir à tous. Nous cherchons donc des auteurs de romans historiques auto-édités pour notre salon du livre de Montelieu. Voilà, donc vous voyez, première question, première bonne nouvelle. Voilà, donc ne pas hésiter à contacter Isabelle si vous souhaitez échanger là-dessus. Très, très volontiers, voilà, quand effectivement ce sera possible, donc vous me laisserez le contact avec Isabelle et ce sera avec plaisir. Ok, il y a Fabienne Laurent-Gueyla qui est là, qui nous dit bonsoir, Xavier Antoine qui dit bonsoir Florian et Pierre-Louis. Bonsoir Fabienne, que je connais, que je salue. Voilà, bonsoir à vous. Donc Xavier Antoine qui nous dit pourquoi le choix du roman historique, moi-même étant un passionné d'histoire et des romans historiques entre autres, donc, pourquoi avoir choisi justement le thème des romans historiques? Bah après, je parlais tout à l'heure des coïncidences, hein, c'est aussi basé sur ces coïncidences, en fait, quelque part. Hein, donc, par exemple, sur les Templiers, c'est venu par une triangulation. Voilà, je sais pas si je vous la raconte, mais c'est venu par le hasard. Sur l'Égypte, c'est aussi venu par quelque part le hasard. Hein, j'étais au musée du Louvre et je visitais. Notamment la partie égyptienne, hein. Donc on descend dans une crypte, et puis en passant devant un sarcophage, une allée de sarcophage, à un moment j'ai eu un petit picotement au ventre, et à chaque fois que je m'en approchais, ça se renforçait, donc j'ai trouvé ça un peu étonnant, et après je n'ai plus prêté attention, je suis sorti du musée, je suis revenu une semaine après, et hop, ça m'a rappelé, tiens, je vais revenir à la partie égyptienne du Louvre, et puis en passant devant, le sarcophage... cette allée de sarcophage, le sarcophage avait disparu. Donc j'ai trouvé ça quand même étonnant, et ça m'a un peu titillé. Je me dis, tiens, ça peut être un bon début de roman. Et puis vous savez, bon, c'est comme ça que ce roman est parti, avec juste une idée. Et en fait, quand vous dévidez cette fameuse pelote, vous arrivez à dévider sous terre tout un filon, en fait. Hein, et ce filon, il va vous mener vers une mine qui va être de plus en plus grande. Et tout au bout, qu'est-ce qu'on y trouve ? Moi, je ne connaissais pas du tout la fin de ce livre. Et j'ai découvert la fin qui m'a aussi étonné, même si on pense écrire le livre, mais sommes-nous vraiment l'auteur du livre ? C'est une grande question. Et effectivement, quand on arrive dans cette mine, on déterre de plus en plus de choses et d'objets, et l'histoire se met en branle. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire ce livre. À chaque fois, je découvrais sur chaque chapitre des éléments nouveaux, non seulement dans la partie historique, parce qu'il faut bien se renseigner sur l'Égypte ancienne, ne pas faire d'erreurs au niveau des dates, au niveau des concepts, je sais pas, de la théogonie, etc. Et au niveau aussi de la trame, c'est-à-dire il ne faut pas ennuyer le lecteur, il faut lui donner matière à rêver, matière à partir à l'aventure, et matière aussi à faire ses propres découvertes dans le livre. Et justement, puisque vous parlez de la trame, il y a une question intéressante. Est-ce que quand vous écrivez, peu importe, vos livres, est-ce que vous avez une trame, est-ce que vous faites des fiches personnages, ou est-ce que vous laissez part à votre imagination?
Oui, bah pour la trilogie Spiris ou pour le Templier et la Sainte Lance, en fait, vous savez, il y a des auteurs qui disent, bon, ben voilà, mon livre est écrit, il ne reste plus effectivement qu'à l'écrire, puisqu'ils ont tout dans leur tête, ils ont leur plan. Pour ma part, non, j'ai pas de plan, en fait. De la page blanche et je la remplis au fur et à mesure. Donc, j'ai pas vraiment de trame. J'ai une vague idée sur le début et puis après, ça se met en place. Et l'inspiration, c'est quand même une sacrée muse, c'est un sacré cadeau parce que ça m'est arrivé de rester très longtemps, même plusieurs années, sans inspiration. Et bon, je commençais une histoire, je la lançais, et puis au bout d'un certain temps, allez hop, jetais à la poubelle une dizaine de pages parce que je n'étais pas content du résultat et je n'arrivais pas à lancer l'histoire, en fait. Et en fait, dès qu'on arrive à lancer l'histoire, à passer, je sais pas, la barre des une dizaine, trentaine de pages, hop, c'est lancé. Mais c'est ce premier écueil qui est quand même assez difficile. Et c'est vraiment un sacré cadeau de pouvoir arriver jusqu'au bout du roman. Donc D'accord. là, pour l'instant, j'en ai écrit 6 et j'ai des idées pour le prochain, même si j'ai beaucoup de lecteurs qui ont déjà lu la prophétie de Thoth et qui me demandent déjà de faire une suite. Alors, je n'avais pas du tout prévu de faire une suite, mais ils ont été scotchés par l'histoire et ils souhaitent que je poursuive. Alors, bon, donc ça m'obligerait à, à réfléchir à une suite, ce que je n'avais pas prévu. Mais pourquoi pas, enfin, toutes les options sont sur la table, hein. J'étais plutôt parti du côté de Néandertal pour aller encore plus loin dans les histoires, après les Templiers, en descendant dans les Égyptiens, et puis encore plus loin. Voilà, c'est retrouver matière à rêver, matière à prendre du plaisir et matière à découvrir. D'accord. Et justement, comment avoir choisi de passer du roman fantasy avec votre trilogie au roman historique avec le Templier de la Sainte-Lance et de passer sur le thriller historique avec la prophétie de Thoth? En fait, quand on écrit une trilogie, ce qui est peut-être confortable, c'est qu'on, enfin, une trilogie fantasy, pardon, c'est confortable effectivement d'être dans l'imaginaire, mais l'imaginaire, ça vous pousse quand même à avoir des repères, des canevas. Et donc, ces canevas-là, ça va être bâti beaucoup sur les mythologies de l'Antiquité. En l'occurrence, pour moi, ça a été basé sur notamment Babylone, ça a été sur les Sumériens. On peut retrouver aussi les Égyptiens avec leurs pyramides. Donc voilà, il y a quand même tout un canevas, une mythologie. Alors, on n'est pas borné par les dates, mais il faut quand même s'entourer de repères. On ne peut pas partir à l'aventure inconnue. Et après, sur la partie historienne, historique, en fait, bon, là, c'est effectivement plus compliqué parce qu'on va. Enfin, peut-être en faire plus de recherches au niveau historique pour les dates, etc. Donc il faut pas se tromper. Et je fais lire aussi mon livre par des historiens pour qu'il soit bien bordé de ce côté-là. Même si bon, le début de l'histoire du Templier et de la Sainte-Lance était parti sur une coïncidence, comme je le disais tout à l'heure, en fait, voilà, je cherchais en fait un site pour lancer une histoire et. J'ai trouvé en triangle l'endroit où j'allais écrire ce roman, donc qui est en Syrie franque, et qui est basé sur, voilà, encore une fois, des coïncidences. Hein. Donc, j'étais, si vous voulez, je peux vous la raconter très, très rapidement. Donc, j'étais en train de faire des recherches au musée Pergamone à Berlin, et puis j'arrive devant la fameuse porte d'Ishtar, hein, porte de Babylone, avec des licornes, des dragons, des lions. Et puis je me retourne et je vois une statue qui m'intéresse. Et j'avais écrit la suite de Spiris qui s'appelait Spiris, le faiseur de foudre. Et dans ce livre, j'avais nommé le faiseur de foudre. Donc dans l'imaginaire, le dieu de la foudre s'appelait Samal. Et puis je vois une statue qui m'interpelle au musée de Pergamone, en fait à Berlin. Et j'arrive vers cette statue et en fait, je m'aperçois qu'elle s'appelle. Alors non pas Samal, mais elle a été trouvée à Samal. Alors là, ça m'a vraiment interpellé, puisque Samal, c'était une forteresse antique qui est basée en Syrie. Et en creusant, donc vous savez que les noms ont beaucoup changé avec les Romains, les Assyriens, les Acadiens, etc. Et après, en creusant, je me suis aperçu tout autour, en fait, il y avait notamment un autre site.
une cité sacrée qui s'appelle Tilmen, qui était Tilmen, c'était le nom de la mère de Spiris. Et puis un peu plus loin, il y avait Tel Leilan, et Leilan, c'était le nom de la compagne de Spiris. Donc il y avait quand même trois éléments sacrés qui se trouvaient en Syrie, trois temples sacrés. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une triangulation, et au milieu se tenait encore un nouveau site sacré qui était un mitraeum, donc un réservé à Mitra. Je pourrais vous en parler plus tard si vous le souhaitez. Et donc c'est là que j'ai lancé l'histoire du Templier de la Sainte Lance, pourquoi aussi les Templiers se sont intéressés à ces mystères de l'Antiquité. Donc voilà comment ça commence une histoire, hein. C'est tout bêtement, vous dites tiens, là il y a matière à fouiller, il y a matière à creuser, et ce n'est pas tout à fait structuré avec tout un plan comme peuvent le faire aussi d'autres auteurs. Je pense que chaque auteur a aussi sa propre méthode, donc la mienne est plutôt basée sur l'intuition, la découverte, le laisser surprendre. D'accord, mais en tout cas, merci à vous, Pierre-Louis, pour toutes ces réponses, surtout, c'est très intéressant. Justement, d'où vient cette passion pour l'Égypte, qui, on le rappelle, tient une place importante dans votre roman, donc La prophétie de Thoth. Alors, on voit le visuel également à l'écran. Expliquez-nous. L'Égypte, c'est aussi quelque part une passion française. Hein. Je crois que la France, c'est un pays qui est très égyptomane, voire égyptomaniaque. Et c'est sûr que quand on se balade en Égypte, on voit ces pyramides ou les temples d'Abou Simbel ou d'autres, on est complètement fasciné par cette civilisation. En 5000 ans, hein, la terre d'Égypte n'a pas changé, les frontières d'Égypte n'ont pratiquement pas changé. Donc c'est une civilisation qui a duré 3000 ans, d'où la nôtre à 1500 ans, donc depuis Clovis, ou encore plus loin si on comprend les Romains. Mais eux, ils ont duré, il y a une vraie stabilité au niveau de leur société. Et pour construire, en fait, ils bâtissaient leur temple dans la pierre, alors qu'eux, ils prenaient plutôt ils bâtissaient sur du limon leur propre maison, individuel pour vivre, n'était là que de passage. Par contre, tout ce qui était temple et tout ce qui était sarcophage ou tombe, là, on bâtissait dans la pierre parce que c'était pour l'éternité. Donc, il y a déjà cette ouverture d'esprit sur ce passage vers l'au-delà. Peut-être qu'on en parlera tout à l'heure parce qu'ils étaient très, très tournés sur ne pas rater ce virage vers l'au-delà, en fait. Justement, est-ce que vous pouvez donc nous présenter vraiment en détail donc ce roman, La prophétie de Thoth, qui est donc votre actualité récente, hein, il est actuellement en librairie, il est aux éditions Nombre 7, hein, si c'est ça le nom. Est-ce que vous pouvez justement, avant de nous présenter le roman, nous présenter cette maison d'édition pour ceux qui ne la connaissent pas? Oui, c'est une maison d'édition qui est basée sur Nîmes, donc voilà, maison d'édition régionale, qui est très tournée aussi sur le numérique. Et donc, je pense que c'est aussi intéressant, non seulement d'avoir son livre en papier, mais aussi en e-book, et qui édite aussi pas mal d'auteurs. C'est au niveau national, hein, donc voilà, moi je les ai découverts récemment, quand je faisais des recherches pour être édité, puisqu'auparavant j'étais chez d'autres éditeurs, hein, Pictos Quintessence et L'Harmattan. Et je pense que c'est aussi bien de temps en temps de changer de maison d'édition pour aller aussi vers de nouveaux horizons, de nouveaux défis. C'est une maison d'édition en tout cas que je recommande. D'accord. Une question de Xavier Antoine qui nous demande: avez-vous une période historique préférée? Je parlais tout à l'heure aussi de Néandertal, donc tout ce qui est la préhistoire, ça me passionne bien. Voilà, le Moyen-Âge, évidemment, parce qu'on en a parlé, donc c'est intéressant. Et puis tout ce qui est autour de l'Empire romain, donc c'est difficile de dire une période préférée, mais c'est peut-être autour de l'Antiquité. Allez. D'accord. Il y a Natacha Kuhn qui est là, bonsoir, et qui dit que c'est très intéressant de savoir comment commence une histoire. Et c'est vrai que pour vous, elle commence de façon assez anecdotique à chaque fois. Oui, bonjour Natacha, que je salue. Je l'expliquais un petit peu, hein, comment commence une histoire. C'est, pour moi, c'est aussi basé sur des coïncidences, sur des rencontres, des thématiques. Et c'est pas évident de trouver le bon filon. Mais une fois qu'on l'a trouvé, après, il suffit juste de le dévider un peu comme une pelote, et puis ça se met en branle.
D'accord. Et les mots viennent tout seuls, hein, et ça glisse très très vite. Donc, par exemple, ce roman sur la prophétie de Thoth, je l'ai écrit pendant la pandémie, où tout le monde la grande pandémie de 2020, où tout le monde s'embêtait un petit peu pendant le confinement, je disais. Et voilà, là, il y a l'imagination a été au pouvoir. D'accord. Ok, bon, en tout cas, je remercie tous ceux qui nous rejoignent. Hein. Je répète, hein, n'hésitez pas à poser vos questions hein, à Pierre-Louis Beuzon, bah, qui est là ce soir, on le rappelle, donc, pour présenter son roman actuel, La prophétie de Thoth aux éditions nombre 7. Voilà, donc n'hésitez pas, il est là pour vous répondre, en sachant que voilà, il vous avait proposé, Pierre-Louis, de nous présenter un petit peu tout à l'heure un petit slide sur l'Égypte. Mais avant, en attendant les questions, est-ce que vous accepteriez de nous lire un extrait de votre roman? Oui, si vous voulez. Bon, vous voyez, j'ai fait pas mal d'annotations, donc je ne vais pas vous lire les plus de 300 pages. Mais peut-être un passage de Anouba, en fait. Bon, il y a plusieurs héroïnes dans ce livre. Donc, il y a Leïla, qui est une archéologue, et qui va découvrir, en fait, sur le chantier d'Héliopolis, en fait, une tablette. Qui va parler d'Anouba, donc cette prêtresse qui reviendrait d'entre les morts pour mettre fin à cette prophétie de Thoth. Et en fait, ce livre, il est dédié aussi à Héliopolis. Héliopolis qui était le premier tertre, hein, la terre primordiale des Égyptiens, où tous les pharaons sont venus rendre hommage à Héliopolis. Et Héliopolis est à présent, donc, au nord du Caire, mais cerné, en fait, par les promoteurs immobiliers. Donc, c'est une... Voilà un chantier qui appelait malheureusement à disparaître, alors que c'est quand même très dommageable, alors que ça a été le cœur de toute l'Égypte ancienne. Il y avait le clergé d'Héliopolis, mais aussi le clergé de Memphis. Donc, c'était ces deux cœurs battants pour l'Égypte. Donc là, on est avec Anouba, et Anouba, en fait, elle va arriver dans le roman en prenant conscience et en se réveillant dans en fait, son sarcophage. Alors, les Égyptiens n'appelaient pas forcément ça sarcophage, mais c'était plutôt le vaisseau de vie ou le vaisseau d'éternité où on partait dans la sortie au grand jour pour effectuer le plus grand des voyages de l'autre côté. Une pensée, je ne suis qu'une pensée, un être aux milliers de pensées qui se bousculent dans ce corps mort depuis tant de temps, depuis des milliers d'années. Qui suis-je en vérité? J'ai l'impression de me réveiller. J'ai oublié qui j'étais, qui je suis. J'émerge. Je sais seulement que je suis enfermé dans ce néant, dans ce corps craquelé et sec, dans ce sarcophage. Comment pourrais-je m'échapper de là? Ma conscience ne peut aller plus loin. J'ai l'impression d'être emmitouflé dans un cocon. Je perçois dans cet espace réduit de minuscules insectes aller et venir sur mon corps. Certains cherchent à y entrer, mais mon sanctuaire est ailleurs. Il est ma conscience, car je pense, je réfléchis. Je voyage dans mes souvenirs, mais il est désormais impossible de franchir l'espace de ce cercueil. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je devrais retourner vers d'autres sphères, vers le royaume des étoiles immobiles. Au lieu de cela, je suis prisonnière de mes propres pensées. Je tourne en rond dans mes pensées. J'ai choisi librement cette mission pour un jour revenir ici-bas. On a momifié mon corps et on l'a déposé dans ce sarcophage. Ce sont eux, les prêtres d'Héliopolis, qui m'ont aidé. Ils m'ont fait confiance. Plus de 2000 ans se sont écoulés. Et maintenant, il faut que j'accomplisse ma mission, que je délivre ma vibration de l'ancien monde au nouveau monde. Voilà un petit extrait de Anouba. Eh ben, merci beaucoup, Pierre-Louis. En tout cas, voilà, les gens sont plutôt contents. Merci pour cet extrait. Et il y a justement Xavier Antoine qui nous dit, est-ce que vous faites appel à des AFA ou bêta lecteurs? Oui, de temps en temps, enfin, j'ai des personnes qui vont effectivement m'aider pour m'orienter et me donner déjà des premiers retours, mais très peu. Et justement, les premiers retours que vous avez eus sur ce roman, quels sont? Ben, les premiers, tout de suite, ont été très, très enthousiastes. Donc, voilà, j'étais agréablement surpris. Donc, voilà, beaucoup me disent c'est un page-turner. Donc, une fois que vous commencez, vous arrêtez plus. Donc, bah, écoutez, tant mieux de partager ça aussi avec les lecteurs. Et puis, des fois, vous savez, vous allez sur des petits salons voilà, perdus
au fin fond de la campagne, et c'est là que vous allez faire des belles rencontres. C'est pas forcément des fois au cœur de la ville, et c'est là que vous rencontrez des super lecteurs, parce qu'en fait, l'écrivain, l'auteur, il a besoin de quoi? Il a besoin aussi de super lecteurs. Et je pense qu'on ne devient écrivain que si auparavant on était aussi un super lecteur et qu'on a enfilé. J'étais très surpris, par exemple, sur la trilogie, de trouver la trilogie Spiris, trilogie Fantasy, de trouver des lecteurs qui, à partir de 10 ans, lisaient mes livres très, 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 très rapidement. Donc, à 10 ans, vous pouvez être aussi un super lecteur. D'accord, parce qu'on rappelle effectivement pour les personnes qui nous rejoignent, donc vous êtes l'auteur donc d'une trilogie type fantasy, pour ceux qui aiment ça, donc de Spiris. Voilà, vous êtes aussi donc roman historique avec le Templier de la Sainte Lance, et également le petit dernier, La Prophétie de Todd, dont vous venez de lire un extrait, et on vous en remercie. D'ailleurs, il y a Zina qui vient d'arriver, il y a Sacha Blasco qui est là, donc bonsoir à tous. Bonsoir. Voilà, donc Pierre-Louis Beson qui a écrit donc des livres historiques. Et justement, par rapport à votre livre, La Prophétie de Todd, qui se passe, vous disiez tout à l'heure que la Provence antique avait une place. Est-ce que vous pouvez donc nous l'expliquer un petit peu pour ceux qui nous rejoignent? Oui, oui, tout à fait. Alors, juste pour préciser sur la trilogie Fantasy Spiris, donc elle est aussi dédiée aux adolescents, hein, donc à partir de 10-12 ans, qu'aux adultes. Après, sur les romans historiques, voilà, c'est peut-être plus dédié à un public adulte, bien que, bon, les adolescents qui adorent ça aussi. Donc, en fait, ce roman, il débute en Provence, et l'action va se dénouer jusqu'en Égypte. Et c'est en faisant toutes ces recherches que je me suis aperçu que finalement, la Provence était aussi une terre égyptienne. Et ça, on ne le sait pas assez, on ne le sait pas vraiment, mais... si vous voulez, du 4e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 4e siècle après Jésus-Christ, donc beaucoup de marins égyptiens, de marchands égyptiens, mais aussi de prêtres égyptiens ont diffusé leur culte, hein, qui était dédié à Isis, Osiris, et ils l'ont disséminé dans toute la Méditerranée. Et c'est pour ça qu'en Provence, on retrouve effectivement beaucoup d'anciens temples qui étaient dédiés à ces divinités égyptiennes, notamment sur Nîmes, hein, quand vous regardez par exemple le blason de Nîmes, c'est un palmier avec aussi un crocodile, et ce crocodile, bon, il viendrait d'Égypte, ramené par les légionnaires romains qui aussi diffusaient les rites. Ils étaient les Romains étaient multirites. Donc tout ça, ça disséminé dans tout l'Empire romain, et on retrouve énormément de similitudes. Donc sur Arles, sur Nîmes, on a retrouvé des pièces, hein, qui étaient dédiées à des divinités, par exemple des divinités en syncrétisme comme Jupiter, dieu des Romains, et Amon aussi, le dieu des Égyptiens, le dieu solaire. Et tout ça, ça a pris fin en 380 par l'édit de Thessalonique, par Théodose, le dernier empereur romain, hein, qui avait réunifié effectivement les deux empires. Et en 380, il décide de n'avoir qu'une religion unique, c'est-à-dire la religion chrétienne. Alors que Constantin, au concile de Nicée en 325, il avait intégré effectivement les chrétiens à tous les autres rites, hein, les rites entre guillemets païens comme le mithraïsme, ou Isis Osiris, ou les mystères de l'Osis. Et donc c'est Théodose qui a fait ça en 380, et là tout s'est arrêté, donc on a détruit les temples, et on a perdu en fait toute cette connaissance. Théodose, il n'a pas fait que du bien là-dessus, puisqu'en 390 aussi, il a interdit l'homosexualité sous peine de mort. Il a aussi, en 394, interdit les Jeux Olympiques, parce que en fait, ça, c'était un peu trop païen à son goût. Et heureusement, bon, après, il est mort en 395, mais il a quand même intégré, si vous voulez, les Goths dans l'armée romaine, et finalement, ça a été la chute. Il a provoqué quelque part la chute de l'Empire romain en 410. Bon, voilà pour l'aparté, et c'est pour ça qu'on a perdu un petit peu tous ces cultes, et on a pu retrouver la civilisation égyptienne que sous finalement grâce à Champollion, hein, qui a pu décrypter la pierre de Rosette grâce à l'expédition aussi de Napoléon en Égypte. Et donc ces Égyptiens, ils étaient arrivés en Provence, ils étaient arrivés notamment en Camargue. Mais vous avez peut-être des questions avant.
Donc, je développe Florian. Non, il y a effectivement, là, les personnes écoutent, hein, et vous remercient justement pour cet exposé. Je reviendrai sur la question de Zina juste après ce petit aparté là sur l'Égypte, puisque c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par l'Égypte. Justement, il y a une question qui et ça rappellera le petit slide que vous m'avez montré tout à l'heure. Qui est Thoth? Thoth, effectivement. Alors, vous savez, il y a toujours les noms égyptiens, puis après, il y a les noms grecs. Donc, en grec, il est peut-être plus connu sous le nom de Hermès, hein, Hermès Trismégiste, c'est-à-dire le trois fois grand, ou également chez les Romains par Mercure. Donc, il est connu là-dessus. Donc, Thoth, c'est le dieu de l'écriture, et comme par hasard, c'est le dieu aussi des signes, le dieu des coïncidences, le dieu de la connaissance au savoir illimité. Il était représenté par un ibis. Et il a écrit notamment la table d'Émeraude. Alors, cette table d'Émeraude, elle donnait quelques préceptes, notamment tout ce qui est en bas est comme tout ce qui est en haut. Donc, le monde d'ici-bas serait un reflet du monde d'en haut. Ou alors, le hasard n'existe pas, ce n'est que le nom donné à une loi que l'on ne connaît pas. Donc, en tous les cas, c'était un dieu très, très vénéré en Égypte. Et donc, il aurait prononcé cette prophétie, prophétie que je vous ai décrite tout à l'heure. D'accord. Donc, c'est lui qu'on a vu donc, sur le visuel, effectivement. C'est bien lui, hein, qu'on voit sur le visuel. Oui, oui. D'accord, OK. OK. Ensuite, moi, ce que je propose, c'est de faire passer les visuels que vous m'avez envoyés. Où là, effectivement, après, c'est sur la Provence égyptienne. Oui, donc ça, je viens d'en parler, mais on peut passer, par exemple, si vous voulez, sur les Vierges Noires, hein, parce que les Vierges Noires, ça peut rappeler quelque part cette lointaine Égypte. Hein, on en trouve encore dans certaines églises, hein, notamment moi qui habite sur la Ciotat, près de Marseille. À Marseille, vous avez à Saint-Victor la Notre-Dame de confession. Donc, ces Vierges Noires qui pourraient rappeler peut-être Artémis d'Éphèse ou Cybèle ou d'autres divinités noires, notamment Isis. Isis aussi, la noire, c'est-à-dire la Magna Mater, la Matera Prima. Et donc, l'origine viendrait soit de la Terre, soit aussi de l'Afrique. Et on a gardé donc ces traditions. Et donc, je ne sais pas si vous montrez là les Vierges Noires. Oui, on les voit avec les différents Notre-Dame de Duvonne que je connais bien à Saint-Gigné, qui est pas loin de chez moi. Notre-Dame de la Garde. Voilà, Notre-Dame de la Garde, bon, qui auparavant avait une Vierge Noire, mais qui a disparu pendant la Révolution. C'était Notre-Dame la Brune, hein, qui a été retirée. Mais aussi à Saint-Victor, donc la tradition à cette église, c'est lors de la Chandeleur, donc tous les 2 février. La Chandeleur, c'est aussi la fête de la lumière, hein, la fête de la chandelle. Ben, c'est aussi d'aller promener, de sortir cette Vierge Noire et puis de descendre jusqu'au Vieux-Port avec des cierges verts qui représentent un petit peu, quelque part, le côté égyptien, puisque c'est Osiris qui est aussi ce dieu de la végétation, qui était un dieu à la fois noir, mais à la fois vert. Donc, on va promener cette Notre-Dame de fenouil, telle qu'elle s'appelait auparavant, pour représenter aussi ce feu nouveau à Saint-Victor. Donc, il peut y avoir des similitudes, et puis on peut retrouver dans le ciel, tout ce qui est en haut comme tout ce qui est en bas, la représentation de la Vierge, avec cette constellation de la Vierge, hein, les constellations était aussi inventé par les Sumériens, mais apparemment les guildes du Moyen-Âge, voilà, les corporations de bâtisseurs, avaient aussi lancé des constructions de cathédrales en représentation avec la constellation de la Vierge. Donc on trouve notamment Amiens, Reims, Chartres, Bayeux et d'autres qui sont calés sous cette constellation de la Vierge. Et donc ça nous ramène aussi en Égypte, parce qu'en Égypte, ils avaient également le même procédé, que ce soit avec les trois pyramides, qui sont aussi en même représentation que les trois étoiles des fameux trois rois de la constellation d'Orion, et qui représentent ce qui est en haut et tout ce qui est en bas.
on peut reproduire ce schéma, par exemple, pour le Nil, puisqu'on a le Nil terrestre, mais on a aussi, pour les Égyptiens, le Nil céleste, qui était la Voie lactée. Et on peut penser que beaucoup de pyramides représentaient, en fait, les étoiles qui se trouvaient notamment près de la Voie lactée. D'accord. Et donc, ces trois pyramides, à l'époque, hein, le Nil arrivait vraiment au pied des trois pyramides, ce qui n'est plus le cas actuellement. Donc, est-ce qu'il y a une corrélation aussi avec la Voie lactée, c'est fort possible. D'accord. Alors, avant de continuer, je salue donc toutes les personnes qui sont là. Zina, Sonia Robinard qui vient d'arriver. J'ai vu que Eric était là aussi. Donc, bonsoir à tous. Pour rappel, pour tous ceux qui nous rejoignent, on reçoit ce soir donc Pierre-Louis Besombe, auteur donc de romans fantasy avec Spiris, donc comme on l'a dit tout à l'heure, pour les adolescents mais aussi les adultes. De romans historiques aussi avec Le Templier de la Sainte Lance et le petit dernier pour les passionnés d'Égypte, et je sais qu'il y en a beaucoup dans ce groupe, La Prophétie de Todd. Et justement, Pierre-Louis était en train de nous présenter un petit peu les similitudes entre la Provence d'aujourd'hui, hein, c'est bien ça, avec l'Égypte actuelle, c'est bien ça. Oui, la Provence antique, Provence sacrée, et comment on peut... Voilà. Effectivement, retrouver des similitudes. On a l'impression que tout était figé, mais à l'époque, ils voyageaient beaucoup. Vous avez une question, Florian, je vous vois. Comment ? Ah non, on voit justement le visuel Provence égyptienne, où vous résumez un petit peu tous les rites égyptiens diffusés marchands. Donc, je vous laisse, on vous écoute. Il y a un commentaire de Zena qui dit « on écoute ». Très bien. Donc après, on peut peut-être aller sur la partie, le slide sur les mystères égyptiens. Donc c'est après les Vierges Noires, puisqu'on en a parlé. Donc sur cette partie, je ne peux pas tout décrire, hein, parce que c'est assez vaste. Effectivement, pour présenter ce livre, donc j'ai lancé aussi une conférence sur la Provence antique, terre égyptienne. Mais bon, c'est une conférence qui va faire plus d'une heure, donc je ne vais pas déborder. Mais juste, je parlais tout à l'heure de Héliopolis, qui était le centre de la création pour les Égyptiens. Et c'est là que, en fait, tout se noue, puisque c'est là que Atum va se voir à travers l'océan primordial, donc ce fameux Noun. Et en fait, dans la cosmogonie égyptienne, donc Atum, qui est le démiurge, il va prendre conscience de lui-même en se voyant dans cet océan primordial, un peu noir, un peu ténébreux, et il va prendre conscience de sa propre lumière. Donc c'est comme si vous regardez un lac, la nuit qui est éclairée par la lune, ou la mer éclairée par le soleil qui va laisser sa trace, et ça c'est une vision qu'ont eu tous les êtres humains qui se sont précédés sur cette terre, hein. C'est une vision qu'on partage avec tous nos ancêtres, et c'est une vision qui est un peu transcendante. Et en tous les cas, d'après la cosmogonie égyptienne, c'est grâce à ça que Atum a pris conscience de son pouvoir et qu'il est tout de suite devenu Khepri, c'est-à-dire le dieu soleil le matin. Il est devenu Amon-Ra, le dieu soleil à midi, et puis il est devenu Atum. Le soir, c'est-à-dire là on a les dangers du crépuscule, hein, puisque toute la cosmogonie égyptienne priait pour ce moment où le soleil allait se retirer et être livré aux dangers du serpent Apophis. Il fallait passer les 12 heures de la nuit, donc c'était là où tout était dangereux. Mais en même temps, Atum a pu créer cette fameuse Énéa, donc ces 9 dieux primordiaux, avec Chou, qui est l'air lumineux, Tefnout, qui est l'humidité, Geb, la terre, et Nout, le ciel. Et là, on a déjà les 4 briques primordiales, finalement, on a les 4 éléments nécessaires à la vie, hein, ce qu'on apprend aux origines aussi du Big Bang, en fait. Bon, là, ce sont ces 4 briques primordiales, et puis tout de suite, elles vont donner naissance, Geb et Nout, à Isis, Osiris, qui sont... ne paraître, c'est-à-dire frères et sœurs, mais aussi époux. Et puis, on a aussi Seth et Nephthys, sœurs et frères également. Et bon, c'est là que tout commence avec ce fameux mythe d'Isis et d'Osiris où Seth va tuer son frère après l'avoir trahi dans un banquet. Mais Osiris va ressusciter et ça va devenir, en fait, le premier homme ou dieu à ressusciter, donc bien avant Jésus-Christ. Donc, on a tout ce mythe qui se met en place. Et les Égyptiens étaient vraiment voués à leur dieu. Ils avaient énormément de dieux.
et ils essayaient de respecter en fait ces certaines valeurs, notamment sur ces quatre directions qu'on pourrait comparer aux quatre points cardinaux. Donc c'est la direction vers le soi, le respect de soi, mais aussi de son prochain, de ses proches, de l'autre, le respect de la terre et aussi, je l'ai dit, donc des divinités du ciel. Et si on ne respectait pas l'un de ces quatre direction, eh bien on se retrouvait exposé à un certain malheur entre guillemets. Donc voilà, il fallait être dans ce profond respect. Ils avaient aussi un rapport avec le temps qui était quand même assez étonnant, puisqu'ils voyaient le temps sous deux façons. Le temps, je dirais, plus profane, tel que nous le connaissons, qui dans l'immédiateté, tout vite, bon, on vous envoie un SMS, il faut agir tout de suite. Et puis, il y avait le temps un peu plus sacré, qui est le temps le « et le temps un peu plus profane était le « et », hein, donc qui avait une répétition. Et pour eux, ce temps, c'est l'image mobile de l'éternité immobile. Donc, il faut arriver à passer de ce temps, je dirais, classique, standard, au temps sacré, pour entrer, en fait, dans l'éternité. Et c'est cette éternité qu'on va trouver dans les temples, ou dans leurs rituels, ou dans leurs prières. Donc, ils avaient cette faculté d'aller dans les deux temps de façon assez régulière. D'accord. Et alors, je répète encore une fois, hein, donc bonsoir à tous. N'hésitez pas à poser vos questions, hein, si vous avez des questions à poser à Pierre-Louis, donc, qui est en train de nous présenter donc, l'Égypte. Voilà, donc ensuite on passe donc sur l'enseignement des temples égyptiens. C'est bien ça. Alors l'Égypte antique, hein, parce que oui, voilà. Je montre l'Égypte antique, terre d'Égypte. Et puis enfin, l'Égypte antique, c'est très présomptueux parce que bon, on peut voir qu'une petite partie de la formidable connaissance. Hein. Vous savez, les temples égyptiens ont accueilli énormément, notamment de tous les grands penseurs grecs. Hein, que ce soit Platon, que ce soit, on avait Pythagore, on avait Diogène, donc Démocrite, etc., j'en passe, et des meilleurs. Donc ils ont appris dans ces temples égyptiens, et après ils en sont ressortis pour passer aussi une forme de connaissance donc, dans la Grèce antique. Mais en tout cas, la Grèce, ben, sous les Ptolémées aussi, a bien, je dirais, ingurgité en fait tout le savoir des Grecs. Alors l'enseignement des temples égyptiens, bon, c'est beaucoup, beaucoup a été perdu puisque c'était puni de mort hein, quand vous ne pouviez pas divulguer ce qui s'y passait. Mais bon, après, dans certains textes, notamment le texte des pyramides, on a pu retrouver des parties qui, le livre des morts, s'appelle le livre de la sortie au grand jour. On a pu retrouver quelques passages, et ce qui était intéressant, c'est notamment ces neuf constituants de l'être. Je ne sais pas si vous avez fait l'exposition de Toutankhamon à la Villette à Paris, mais quand vous arrivez devant ce sarcophage, en fait, Toutankhamon, il était enveloppé dans neuf sarcophages, hein, un peu comme des poupées russes. Et ça voulait dire quoi? Ça voulait dire qu'on a ces neuf constituants de l'être. Donc, je peux vite vous les décrire. On a le séquem, hein, qui va assurer et assembler, en fait, ce qui assemble tout notre corps. Qui est, ça, c'était dans la croyance, en tout cas, des Égyptiens. Ce séquem était extrêmement important. Mais on avait aussi le renne qui assure, en fait, la vibration. C'est, en fait, quelque part, le son qu'émet notre corps, l'identité profonde de notre être, à l'heure où l'identité est très, très importante, eh bien, les Égyptiens s'y attachaient véritablement. Et pour eux, par exemple, un temple avait son identité ou chaque être. Et donc là, ces neuf constituants de l'être, on va les retrouver aussi dans le temple égyptien. C'est-à-dire que vous allez avoir toutes ces facettes. Par exemple, le kaibit, qui est l'ombre éthérique, c'est le corps éthérique, cette ombre noire qui va petit à petit devenir de plus en plus lumineuse quand elle sort du corps, hein, dans la croyance égyptienne. Et ce kaibit, c'est aussi les pylônes qui vont projeter leur ombre sur le temple.
Peut-être le plus connu, c'est le cas, hein, ce hiéroglyphe qui représente l'homme, les mains dressées au ciel. Ce cas, c'est aussi la force vitale, en fait. C'est la sève qui coule dans les arbres. C'est aussi le torrent qui coule dans les montagnes. Et c'est cette force qui est en nous et qui ne nous quitte pas, même après le grand départ. Et ce grand départ, il est symbolisé par le bas qui est là, mais que vous voyez peut-être sur le slide avec cet oiseau qui va quitter ce corps. On a le hib ou le ab qui est en fait le cœur, et ce cœur qui enregistre tout, le cœur conscience. Apparemment, des personnes, quand elles sont passées tout proche de la mort, ont revécu une grande partie de leur vie très très rapidement. Eh bien, les passages importants sont enregistrés dans le cœur, le hab. Et c'est d'ailleurs cette étape qui est cruciale, parce que quand vous mourrez pour les Égyptiens, donc vous prenez la barque, vous allez traverser pas mal de marées, et vous arrivez devant, accompagné d'Anubis, le dieu psychopompe, un chacal, loup, et vous arrivez devant en fait la déesse Maat, la déesse de l'harmonie, mais qui va vous peser avec sa plume. Et il faut que votre cœur soit aussi léger que la plume, sinon... Eh bien, du coup, vous n'avez pas le droit de gagner les hautes sphères et vous allez refaire un tour sur Terre. Donc, voilà, là, on participe à la réincarnation. Donc, ça, c'est le hab. Mais en fait, le plus grand des cadeaux, c'est le hak que vous recevez. C'est cette étincelle divine que vous recevez à la naissance et qui doit grandir et mûrir tout au long de votre vie pour passer justement ces étapes supérieures, notamment cette fameuse psychostasie, cette pesée des âmes avec Maat. Le 4, ben, c'est le corps mort une fois qu'il est mort. Voilà, il est quand même réceptacle aussi de l'âme. C'est pour ça que les Égyptiens procédaient à la momification pour empêcher justement l'âme de revenir dans ce corps, parce qu'elle ne pouvait pas se réincarner. Donc, elle était obligée de revenir sur le corps mort et du coup, elle repartait. Et enfin, le Saou, c'est-à-dire le corps de lumière, le corps de gloire qui n'est réservé qu'aux grands initiés. Lorsqu'ils sont morts, ils ont cette capacité de ressusciter, ce qui a été le cas donc d'Osiris et si on y croit aussi, de Jésus. Et peut-être d'autres grands initiés dans l'histoire, mais voilà. Merci donc pour ce petit... peut-être à ce stade, Florian. Pardon ? Des questions à ce stade ou pas? Et ben justement, il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est très intéressant, que c'est moins pénible que de lire les bouquins d'histoire. voilà. Zina qui nous dit « Les neuf constituants de l'être, ça rejoint un peu les sept corps subtils. » Alors, les sept corps subtils, bon, je n'ai pas cette connaissance, mais ça peut peut-être rejoindre les chakras, si elle parle des chakras. Je ne sais pas, là, pour les Égyptiens, c'est quand même assez différent, même si, selon les traditions peut-être orientales, on peut retrouver des éléments, hein, mais en tous les cas, c'est ce que j'ai découvert en faisant des recherches sur l'Égypte antique, et j'ai trouvé que c'était intéressant, et moi, je me suis particulièrement intéressé notamment au Saou, hein, ce corps de gloire. Et voilà, c'est sûr que si j'avais présenté ce livre que sur la partie historique, je pense qu'on se serait assez vite ennuyé. Donc, j'ai essayé de mélanger une partie action, une partie aventure, pour en quête un peu du trésor. Finalement, on poursuit cette momie qui a disparu, cette momie Anuba. Et en même temps, cette Anuba, ben, je retrace toute sa vie, puisqu'elle elle est toute petite, en fait, des prêtres. Elle est en train de jouer dans la rue, puis des prêtres arrivent. Et ils vont l'acheter à ses parents, parce que l'un des prêtres est grand voyant, et donc il a perçu qu'en elle serait capable, en fait, de mettre fin à la prophétie de Thoth. Et donc, du coup, elle est rebelle, elle arrive à 3-4 ans dans le temple, et voilà, elle veut être avec ses parents, avec ses frères et sœurs, et finalement, dans ce temple, elle va apprendre certains mystères. Donc là, c'est pour ça que j'ai fait ces recherches qui vont, en fait, offrir au lecteur la situation d'être dans un temple égyptien et de savoir un peu qu'est-ce qui peut s'y passer, tel que le rituel de Sèd ou d'autres rituels, hein, qui sont décrits dans les hiéroglyphes. D'accord, donc c'est pour ça, effectivement, pour ceux qui nous rejoignent, qu'on parle beaucoup de l'Égypte avec ces slides, hein, ces slides que vous m'avez envoyés et qui sont très bien faits, ce qui permet aussi de montrer en image ce que vous nous expliquez, parce que c'est vrai que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans votre roman La prophétie de Thoth, l'Égypte antique tient une place particulière,
D'où, on va dire, entre guillemets, ce petit exposé sur l'Égypte. Voilà, pour ceux qui nous rejoignent, qui nous disent « Pourquoi on parle beaucoup de l'Égypte ?» Voilà. Ok. Alors, pour l'instant, je n'ai pas beaucoup de questions. On me demande de continuer. Donc, bah, voilà, si vous souhaitez continuer. Donc, le slide d'après, c'était sur le delta. Delta du Rhône, voilà. On arrive au delta, en fait. Voilà, j'ai trouvé une comparaison assez amusante entre les deux plus grands deltas de Méditerranée, qui sont le delta du Rhône et le delta du Nil, mais aussi les deux plus grands fleuves de Méditerranée. Et comme je le disais tout à l'heure, bon, les Égyptiens voyageaient beaucoup et ils sont sûrement allés donc en Camargue. Et là, qu'est-ce qu'ils ont vu? Bien, ils ont vu des taureaux. Donc le taureau, c'est le dieu Apis, hein, et Apis, il est assimilé à Osiris. Donc c'était une parèdre aussi entre Osiris et Apis. C'est le dieu Serapis, O Serapis. Ils ont vu aussi l'ibis, qui est assimilé à Thoth, on l'a vu tout à l'heure. Mais aussi le héron cendré qui est le bénou, et le bénou c'était cet oiseau primordial qui, je disais tout à l'heure que les Grecs sont venus aussi s'instruire en Égypte, ben, ce bénou c'est devenu aussi le phénix. Donc voilà, ils avaient trouvé en cette terre Camargue, beaucoup de choses qui ressemblaient à l'Égypte. Et d'ailleurs, le bénou et l'ibis sont toujours présents en Camargue, mais donc le héron cendré, hein, mais plus dans le delta du Nil. C'est assez étonnant. Alors, donc ils sont venus là, et puis après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ce qui est intéressant, c'est de creuser un peu la toponymie et de s'apercevoir que dans le nom de ces endroits, ben, on va retrouver des coïncidences ou des pistes. Par exemple, le Rhône, en latin, s'appelle Re Danus. Donc Re, hein, c'est Amon-Ra ou Amon-Re, c'est aussi le dieu solaire. Donc c'est un petit indice. On a Sainte-Marie-de-la-Mer, qui est bien connu de Camargue, et bien donc Sainte-Marie-de-la-Mer, on connaît ce nom, mais quel est le nom originel de Sainte-Marie-de-la-Mer? En fait, c'est Oppidum Ra. Donc c'était un temple aussi qui était dédié au dieu solaire Ra et qui était situé quelques centaines de mètres, un peu plus dans la mer, puisque l'eau a monté, malheureusement elle continuera à monter. Et puis on a des positionnements de villes comme Héliopolis, hein, qui était à l'embranchement des fourches, je ne sais pas si on le voit à l'écran, mais des deux fourches en fait du delta du Nil. Eh bien, du côté de la Camargue, ce sera Arles qui a cette position. Hein, Arélatus, Arélatus, ça peut être donc Latus, c'est les marées, et Aré, retourner, c'est Ra. Donc ça peut être aussi Ra des marées pour petit côté amusant, mais vous avez donc Héliopolis, cette cité sacrée à l'embranchement des deux terres. Et pour les Égyptiens, les deux terres, c'était passer du côté des marais, c'était rentrer dans le territoire de l'au-delà. Donc le temple était positionné juste avant l'entrée de l'au-delà. Et donc Héliopolis fait partie du Caire. Hein, et quand on regarde en fait, Tarascon, un peu plus haut, on a Beaucaire en face. Donc, c'est aussi encore un petit clin d'œil. Et Tarascon est à la même position que Memphis, donc une autre cité sacrée. Memphis était dédiée au dieu potier Ta, le dieu des murges. Et Tarascon, hein, on peut aussi y voir Ta et Héra, mais aussi une ville dédiée à la Tarasque, hein, qui était peut-être un crocodile ou un dragon, ou le dieu Taranis, qui est aussi le dieu de l'éclair chez les Celtes. Et tout ça, c'est un peu sous l'histoire de Marie-Madeleine. Marie-Madeleine qui, grâce à son embarcation, est venue, et là c'est peut-être la on reprend l'image des Égyptiens avec cette barque solaire avec Isis qui partait vers l'au-delà. Mais Marie-Madeleine, donc, d'après la légende, serait partie de Jaffa en Israël, donc près de Tel Aviv, pour aller sur les rivages de la Camargue, et aidée en cela par Claudia Procula, qui n'était autre que la femme de Ponce Pilate. Claudia Procula, pourquoi? Parce qu'elle était aussi gauloise, née à Narbonne. Les Narbonne, c'était la province de la Narbonnaise, c'était aussi la Provence. Donc elle avait aussi probablement des alliés pour
aller jusqu'en Camargue. Alors pourquoi je parle effectivement de Marie-Madeleine? Parce qu'à un moment, on va voir ces similitudes avec le Christ. Donc pour ça, il faut effectivement lire le livre, découvrir ce qui se passe entre le Christ et Osiris. Mais Anouba, en fait, elle est contemporaine du Christ. Et dans ce livre, La prophétie de Thoth, elle va rencontrer le Christ qui alors est enfant et qui est pourchassé par Hérode avec sa sainte famille, donc Marie-Joseph, et qui vont passer plusieurs années en fait en Égypte. Et ce qui était étonnant, moi, dans ce livre, en fait, je ne voulais pas du tout aborder le sujet du christianisme parce que j'avais déjà beaucoup d'autres sujets à aborder. Et puis, à chaque fois que je faisais plonger mes protagonistes, mes héros dans une ville, que ce soit ou un temple, Héliopolis ou Hermopolis, Magna, la cité de Thoth, le temple de Thoth, et ben, en faisant des recherches, curieusement, je trouvais que le Christ avait fait aussi un séjour dans ces temples ou dans ces villes. Donc il a vraiment passé du temps en Égypte, et c'est là que m'est venue l'idée de travailler aussi là-dessus et de le faire rencontrer aussi à Anouba. Donc j'ai créé un dialogue imaginaire autour de ça, mais on va parler de la religion égyptienne, mais on va aussi comprendre qu'une partie de la religion chrétienne vient de cette religion égyptienne, parce que peut-être que le Christ est rentré dans ces temples et peut-être qu'il a aussi été initié à certains mystères égyptiens en tous les cas. Donc, je ne sais pas si sur quelle diapositive vous êtes, Florian. Alors, pour l'instant, on était sur la diapositive que vous voyez. Il y avait ce que Zina avait dit tout à l'heure. J'essaie juste de retrouver la question. Le problème, c'est que tout est parti. Quand elle parlait des neuf constituants, voilà. Donc, ça, c'était quand vous parliez sur les slides sur l'enseignement des temples égyptiens. Elle a rajouté, je ne vais pas dire de bêtises, mais il y a dans la spiritualité un certain nombre de corps physiques et d'autres énergiques qui, eux, ne meurent pas. Donc ça, c'était effectivement sur sa remarque de tout à l'heure où elle disait les neuf constituants de l'être, ça rejoint un peu les sept corps subtils. On était sur le slide de l'enseignement des temples égyptiens, les neuf constituants de l'être. Oui, après, c'est aussi principalement la conscience hein, qui va passer d'un état à un autre et qui va continuer, ben finalement sous forme d'atomes, hein, puisque bon, on est tous immortels, puisqu'on est tous faits d'atomes en quelque sorte. Et ces atomes sont insécables et immortels. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, on posait la question, je crois, à un physicien, on disait, mais vous avez quel âge? Ah ben, moi, j'ai 13 milliards et 800 millions d'années. En fait, donc, ça veut dire quoi? Vous avez vécu l'origine du Big Bang, puisque les premiers atomes ont été créés là, que ce soit les atomes d'hélium, d'hydrogène, d'oxygène ou autre. Et en fait, en s'effondrant, ces gaz d'atomes ont donné naissance à des corps célestes, des planètes, et voire des étoiles. Donc peut-être que Florian, vous avez été aussi un soleil dans une lointaine vie. Et pourquoi pas? Vous avez bien rayonné, bien voyagé aussi, puisque bon, tout a une mort, tout a une vie. Et donc ce soleil, à son tour, il devient une naine rouge, il va exploser. Et puis c'est les vents stellaires qui vont porter ces graines, je dirais ces atomes, qui vont ensemencer d'autres planètes. Et finalement, nous sommes ensemencés par ces atomes. Donc oui, nous sommes immortels. Et c'est ces Égyptiens qui avaient eu la préscience de ces atomes, les premiers avec effectivement des Démocrite, mais tout simplement en regardant des dunes de sable, des éléments entièrement constitués. Mais par quoi? Et effectivement par des grains de sable, donc en décortiquant de plus en plus petit. Donc c'est comme ça qu'est venue cette préscience en fait des atomes sans les microscopes, hein. Et comment ces Égyptiens étaient capables de savoir que Sirius, qui représentait Isis, était une étoile double. Très, très étonnant. Maintenant, ça a été découvert par la science dans les années 1880 avec un télescope. Donc, on sait qu'il y a Sirius A, Sirius B, qui est une étoile double et peut-être même une étoile triple. Et bien, ces Égyptiens, même les Dogons, d'ailleurs, au Mali, dans leur cosmogonie, représentaient Sirius comme une étoile double. Donc, très, 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 très étonnant. Donc, ils avaient quand même accès peut-être à certaines connaissances que nous retrouvons au fur et à mesure. Donc, oui, une question, Florian? Alors, non, je tiens à saluer donc toutes les personnes qui viennent d'arriver. Donc, il y a René Mestrelet qui est là, Simone Verpuyeux, Imbert qui sont là, Philippe Grandono. Donc, merci à tous d'être là. Marie Eboli qui est là aussi, bonsoir. Donc, il y a une question de Sonia qui dit « Mon fils est fan d'histoire et surtout d'Égypte.
Est-ce que vos œuvres sont adaptées à son âge? Alors, à quel âge a son fils? Alors, Sonia, si tu veux juste nous dire quel âge a ton fils, mais si je me souviens bien, il a dans les 12-13 ans, si je me souviens oui, bien, mais je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. Bah, effectivement, c'est un livre qui vient de sortir, donc c'est peut-être un peu tôt, mais effectivement, je pense qu'il est tout à fait en âge d'accéder au mystère de la profession. Il a 11 ans. Ouais, ça va le faire, je pense. En tout cas, bon, ce sera un test, alors un bêta lecteur, comme ça, il nous dira si. Mais je pense que oui, il n'y a pas de. Il n'y a pas de violence dans ce livre. Enfin, il y a des scènes d'action, évidemment, mais bon, c'est très. C'est pas gore. Hein, voilà. Sonia, qui est bêta lecteur, qui est alpha lecteur. Hein, donc, on rappelle pour tous ceux qui nous rejoignent que vous êtes donc l'auteur d'une trilogie fantasy, donc Spiris, auteur d'un roman historique, Le Templier de la Sainte Lance, et le petit dernier, d'où l'exposé sur l'Égypte, La prophétie de Todd. Donc voilà, donc merci à tous d'être là. Donc là, on vient d'atteindre l'heure de live, donc on va pouvoir donc continuer. Donc vous étiez sur les similitudes entre Osiris et le Christ, hein, c'est bien ça. Donc effectivement, on voit le visuel à l'instant à l'écran, donc je vous laisse continuer. On aurait peut-être dû commencer l'émission à 20h finalement, Florian, parce que si vous avez plus de monde maintenant. Non, mais au final, c'est très bien. Les gens sont là, on est pas mal. Hein. Il y a beaucoup de gens qui, comme ils disent, continuez, on écoute. Voilà, donc, puis après, il y a le replay. Hein. Voilà. Donc, ben, sur, oui, voilà. Je tiens à préciser pour ceux qui nous rejoignent que la rediffusion de ce live, pour ceux qui ne l'ont pas vu, sera disponible sur la chaîne YouTube Les Lectures de Florian Lain, dont la description est un petit peu plus haut. Et puis, on verra en fin de live, peut-être qu'on peut aussi prendre contact avec vous, cher Pierre-Louis, bah, pour pouvoir continuer cette conversation ensuite et pour pouvoir venir vous voir sur les salons très prochainement, je l'espère. J'espère aussi. Donc, oui, ces similitudes entre le Christ et Osiris, bah, déjà, sur la religion catholique qui intègre, par exemple, l'Eucharistie, ça, c'était aussi un rite qui était pratiqué hein, dans les temples égyptiens. Donc, voilà. Donner du pain pour pratiquer ce rituel. On parlait tout à l'heure aussi de la chandeleur. Hein. La chandeleur, qu'est-ce qu'on prend? La chandeleur de février, c'est aussi des crêpes. Hein, et des crêpes, qu'est-ce que ça représente? Finalement, c'est aussi quelque part ce disque solaire. Et pour aller plus loin, c'est quoi? C'est aussi cette hostie. Hein, bon, sans faire de sacrilège ou autre, mais ça représente aussi l'hostie, ce disque solaire, et quand on le prend, cette hostie, on va dire Amen. Mais Amen, quelque part, ça nous ramène aussi à Amon, qui est ce dieu solaire, en fait. Donc tout se tient quand on commence à décortiquer, c'est quand même assez étonnant. Et sur le Christ, bon, je le disais tout à l'heure, il a vécu en Égypte, il a reçu le baptême de Saint Jean-Baptiste, mais Osiris aussi avait ce baptême, on en parlait tout à l'heure du Noun, hein, dans cet océan primordial. Les deux ont eu ce banquet, donc le banquet de la Seine pour le Christ. D'ailleurs, à droite du Christ, on voit un de ses apôtres, on ne sait pas si c'est une femme ou un homme, en tout cas, c'est un des rares qui n'a pas de barbe, et ce serait peut-être Marie-Madeleine, mais bon, ça c'était travaillé par d'autres auteurs. En tout cas, moi, je me suis attaché sur cette partie-là, et donc au banquet donné par Seth, il y avait donc le frère d'Osiris, il y avait 72 convives, et donc là, on va retrouver les 72 disciples. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce banquet? Seth, en fait, il va offrir un grand coffre donc à ces 72 convives, et puis celui qui pourra y rentrer très confortablement pourra le garder. Donc tout le monde va y passer. Puis le dernier qui y rentre, puisque personne n'a trouvé à sa taille, ça va être Osiris. Et juste quand il y rentre, ben, Seth va fermer le coffret directement et le jeter tout de suite après dans le Nil. Et c'est sa sœur Isis, sa sœur épouse, qui va partir à sa recherche avec Nephthys pour le retrouver. Et quand il le retrouve, ben, fou de rage, Seth va le découper en 14 morceaux et puis l'envoyer aux quatre coins de la nature. Et c'est là que Osiris va pouvoir ressusciter grâce à l'aide de sa femme, quand elle va encore ramasser, si vous voulez, ces 14 morceaux. Donc, ces 14 morceaux, ça nous rappelle aussi les 14 stations hein, que font les chrétiens pour monter donc, vers le
le Golgotha symbolique, le lieu de la passion du Christ. Le poisson, c'est aussi le symbole du Christ, mais le 14e morceau a été avalé par un poisson goulu. Ce 14e morceau, vous savez peut-être, Florian, c'était le pénis d'Osiris. Donc, une étape aussi importante pour la résurrection d'Osiris. On a aussi cette fameuse clé de vie qui peut représenter le delta du Nil tout en haut et puis le Nil en bas, mais aussi ce cercle représente l'éternité. Et cette clé de vie représente aussi les quatre directions, finalement un peu comme la croix des chrétiens, qui était au départ un instrument de torture, mais qui représente aussi les quatre points cardinaux. Les deux ont vécu la trahison, donc je le disais avec Seth, qui était le frère d'Osiris. Alors, on ne sait pas trop pourquoi il a fait ça. Peut-être, on dit que Nephthys avait aussi une aventure avec... donc Nephthys, la femme de Seth, avait une aventure avec Osiris, et ensemble, ils ont eu un enfant adultérin qui n'est autre que Anubis. Donc, la trahison de Judas, on retrouve ces deux trahisons, et c'est grâce à la trahison que finalement, ils ont pu vivre leur passion, ils ont pu... quelque sorte traverser les siècles et les âges, aussi bien pour Osiris que pour le Christ. La couronne, tous les deux portaient, donc cette couronne d'épines, achetée à prix d'or aussi par Saint-Louis, et qui repose à présent en la cathédrale Notre-Dame de Paris. Depuis, ça a été transféré avec l'incendie. Mais la couronne, c'était la double couronne pour Osiris, la couronne des deux terres, donc des deux Égypte. On avait aussi le flagellum, qui était le symbole d'Osiris, le symbole aussi du pharaon, mais Jésus a aussi été flagellé donc par le fouet. La passion, ils l'ont vécu tous les deux, puisque bon, tous les deux sont morts et tous les deux ont ressuscité. Et il y avait aussi les 30 ans du Pied-Jed. C'est vrai que chaque pharaon, au bout de 30 ans, en fait, il devait redresser un obélisque, en fait, un pied Jed, pour revigorer sa force. Et donc là, on peut aussi, quand Jésus est redressé sur la croix, il y a aussi une similitude à ce niveau-là. Donc, il y a beaucoup de choses qui interpellent, près d'une douzaine quand même de coïncidences là-dessus, et ça m'a fait un petit peu réfléchir sur tout ça. Donc c'est pour ça que je viens au dernier slide. Mais est-ce que vous avez des remarques là par rapport à... Alors, est-ce que vous avez des questions? Donc Sonia nous dit en fin de compte que son fils va adorer votre roman, donc il n'y a pas de souci. Et pour l'instant, non, je n'ai pas de nouvelles questions. Les gens écoutent, je vois qu'il y a pas mal de monde qui sont là, qui sont présents, donc on vous écoute encore. Très bien, et c'est là qu'on va retrouver les Templiers dont on parlait tout à l'heure. Quoi, les Templiers, qu'est-ce qu'ils sont venus faire aussi? Donc, on était avec le Christ, mais on était aussi en Camargue. Et puis, j'ai parlé tout à l'heure de Marie-Madeleine, qui amenait la barque avec tous ses disciples. Donc, on avait aussi Lazare qui était dedans, Marthe, Marie-Jacobée, Marie-Salomé. Et ces deux fleuves qui sont vraiment ces deux fleuves sacrés, donc le Nil, mais aussi le Rhône. Et puis, donc pour revenir sur les Templiers, d'un seul coup, en fait, on se retrouve avec la papauté en Avignon. Et là, c'est quand même une sacrée surprise, puisque bon, la papauté avait comme siège Rome. Mais bon, il y a eu un pape français qui a été Bertrand de Gaulle, qui a été poussé, nommé par Philippe le Bel, qui est devenu par la suite Clément V. Et ce pape, bon, déjà, il n'avait pas envie d'aller à Rome, mais il y a eu un événement quand même, juste avant, en 1307, c'était les aveux des Templiers. Donc, on parlait tout à l'heure des Templiers torturés par Philippe le Bel pour arracher des secrets, bon, soi-disant des blasphèmes. Mais est-ce que ces premiers aveux des Templiers n'auraient pas été finalement, ne révélaient pas un autre secret? Parce que les Templiers, c'était aussi les gardiens des principales reliques du Christ, la Sainte Lance, la Sainte Couronne, la Saint-Suaire, le Saint-Sang, etc. Mais il est possible aussi qu'ils aient gardé l'endroit où se tenait le corps du Christ.
Alors voilà, pour les chrétiens, quand on ressuscite, en fait, le corps ne doit pas apparaître, sinon ça veut dire qu'on n'a pas ressuscité. Au contraire, d'Osiris, quand il a ressuscité, je l'ai dit tout à l'heure, donc on a retrouvé les 14 morceaux de son corps, bon, certes, sauf le pénis, mais ils se sont abrités dans des reliquaires, dans des temples, notamment Anubis, qui a la tête d'Osiris. Et donc, les Égyptiens venaient y rendre hommage. Donc voilà, je vous vois sourire, vous avez peut-être une remarque amusante. Non, je vous écoute, hein, je regarde. Et là-dessus, donc il y a ces similitudes. Et sur Avignon, en fait, donc, du jour au lendemain, voilà, la papauté va arriver. Et donc ça, c'est à partir de 1309, donc juste après l'aveu des Templiers, hein, de 1307. Et ça pose question. Donc une des théories que je fais dans ce livre, c'est que finalement le Christ, bon, à sa descente de croix, donc après effectivement il va ressusciter dans les trois jours, mais son corps, puisqu'il a aussi été en Égypte, aurait été momifié et aurait traversé donc la Méditerranée, être amené à un lieu où il ne risquait pas effectivement la persécution, un lieu qui n'était pas encore voilà, christianisé, loin de là, mais les premiers chrétiens, qui étaient une secte en fait, ils étaient persécutés à l'époque par les Romains, par les Juifs, donc ils cherchaient aussi à fuir. Et donc ce delta du Rhône symbolise aussi quelque part ce delta de l'Occident, et donc cette barque solaire amenait donc le corps du Christ façon très lointaine, vers un nouvel horizon. Et quand on regarde encore plus dans le détail, en fait, je disais tout à l'heure que Abydos abrite aussi le chef, donc la tête d'Osiris. Et voilà, Abydos va correspondre très exactement à l'emplacement où serait enterré le corps du Christ, donc tout près du Rhône aussi, donc tout près d'Avignon. Si on reproduit tel un miroir, donc le delta du Rhône, le delta du Nil, le Nil et le Rhône. Donc ça, c'est une hypothèse en tous les cas que je fais. Pourquoi ? Parce que tout simplement, en regardant la toponymie des lieux et en regardant l'histoire telle qu'elle s'est produite, c'est le miroir que l'on peut retrouver en tous les cas sur aussi cette terre sainte, cette terre sacrée qui est la Provence antique et qui est auparavant était aussi une terre de culte égyptien. D'accord, ok. En tout cas, merci beaucoup. Vous me voyez sourire tout à l'heure parce que j'avais beaucoup de fenêtres qui s'ouvraient parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'envoient des questions, non pas sous le live, mais en message privé, hein, des questions comme, voilà, live très intéressant, on en apprend beaucoup sur la culture égyptienne et la Provence. Donc, merci Pierre-Louis. Une question également, où est-ce qu'on peut retrouver cet exposé dans les prochains jours? Donc la réponse, on l'a dit tout à l'heure, hein, vous pouvez la retrouver sur la page YouTube Les Lectures de Florian Alain, dans la description un petit peu plus haut, et où il y aura la rediffusion de ce live. Mais vous pouvez aussi, j'imagine, prendre contact avec Pierre-Louis, parce que justement, où c'est qu'on peut prendre contact avec vous? Est-ce que vous avez un site internet? Comment ça se passe? Oui, j'ai un site internet, donc plbesombe et letemplier.com. Donc, vous tapez mon nom, Besombe, le Templier, vous trouverez mon site internet. Et là, vous pouvez me contacter, puis regarder effectivement les derniers posts, les derniers articles qui sont sortis sur le sujet. Et là, je pourrai, après, vous aurez accès à mon mail, et puis je pourrai effectivement échanger avec vous sur ces sujets voilà, de quête, de sujets de mystère qui nous passionnent et qui nous animent. Voilà, exactement. Il y avait également la question, est-ce que vous intervenez souvent dans des collèges ou dans des salons pour des expositions? Oui, alors sur les collèges, oui, je l'ai déjà fait, d'intervenir en classe, effectivement, pour voilà, expliquer un peu toutes les croisades, c'est au programme aussi des classes. Donc ça, c'est je l'ai fait. Et effectivement, sur les salons, des fois, il y a des conférences, donc c'est intéressant. Alors là, c'est un exercice un peu nouveau pour moi de parler comme ça face à un ordinateur. Et bon, je connais certains d'entre vous qui sont derrière l'ordinateur, et donc ça me fait plaisir. Mais il manque aussi ce contact physique et qu'on retrouve dans les conférences. Et les deux sont bien, et les deux, je pense que sont à faire. Donc
tout est ouvert en termes de conférences ou en termes de salons. Ouais. Voilà, bah, en tout cas, bah, merci à vous, Pierre-Louis, donc, d'avoir accepté donc, de venir nous faire, entre guillemets, cet exposé. Donc, merci. Et je tiens donc à saluer Mathis qui est là. Bonsoir, Mathis. Voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, cet exposé, pourquoi ? Parce qu'effectivement, vous êtes l'auteur d'un roman, on va dire un thriller historique, hein, qui s'appelle « La prophétie de Todd », donc qui se passe forcément dans l'Égypte antique, d'où cet exposé. En tout cas, merci à vous, Pierre-Louis, donc, d'avoir fait cet exposé. Alors oui, je donne plus de détails, hein, par rapport à ce que je viens de dire, évidemment, dans le livre, avec des précisions, effectivement, là où se tiendrait le corps du Christ. Et quand on tombe dessus, c'est vrai que ça donne aussi des frissons par rapport au nom de la ville. Mais bon, je ne peux pas en dire plus. Après, il faut... Non, voilà, effectivement, c'était un peu le risque, effectivement, de spoiler. Mais en tout cas, merci beaucoup à vous, Pierre-Louis. Voilà, donc pour l'instant, je n'ai plus de questions, mais voilà, je vous invite, si vous avez d'autres questions, à ne pas hésiter à envoyer un message à Pierre-Louis, ne pas hésiter à même à continuer à mettre vos questions en commentaire. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de remarques. Malheureusement, on ne peut pas tous les lire, sinon il y en aurait pour longtemps. Mais voilà, n'hésitez pas à continuer à vous poser vos questions. Pierre-Louis, j'imagine, viendra vous y répondre. Mais voilà, n'hésitez pas, comme il a dit, à le contacter. Hein, je revois le visuel où il y a également donc, le site internet, hein, www.plbezombe-le-templier.com. Voilà, le visuel est là. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site internet. Hein, vous y retrouverez donc toutes les informations concernant le roman, l'Égypte, et de prendre contact avec vous, Pierre. Et merci à tous de votre attention, d'être restés fidèles une heure, plus d'une heure vingt en ligne. Eh ben, merci, ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir de dialoguer avec les lecteurs, c'est génial. Merci Florian du travail que vous faites. Merci à vous. Eh ben, merci à vous Pierre. Juste 30 secondes pour vous rappeler, chers amis, qu'à partir de la semaine prochaine, donc ce sera donc notre amie Mélanie Gaudry, donc qui viendra donc présenter ses romans. Voilà, donc samedi prochain à partir de 18h. Donc soyez là. En tout cas, je vous remercie tous d'avoir été là. Je vous souhaite, chers amis, une très bonne soirée. À très bientôt et on se retrouve donc dès samedi. Ciao, ciao.